C'est un travail d'équipe. Il y a des gens d'MSF, un ingénieur au départ, un architecte ensuite. Il y a un architecte local qui est basé à Mbabane et la capitale, qui a développé tout le projet du WOD, en fait, tout le dessin du WOD. Et puis le laboratoire, par contre, ce sont des spécialistes qui ont esquissé les plans et puis ensuite ça a été traduit en construction. Alors il y a un OPD qui est en fait derrière ces bâtiments. Donc c'est pour les patients externes, donc ceux qui viennent consulter pour des consultations, des injections quotidiennes ou de temps en temps. Et puis ensuite on rentre dans la partie pour les patients internes, donc l'IPD, qui comprend 30 chambres, des chambres pour un seul patient, pour éviter la contamination croisée entre les patients. Et donc c'est essentiellement ces deux parties, patients externes, patients internes, qui composent le projet. Et puis dans la partie des patients internes, là il y a trois ailes différentes. Les patients symptômes négatifs, symptômes positifs, et puis l'aile pour les patients critiques. Le WOD, c'est de la ventilation naturelle, c'est du low-tech. Et c'est beaucoup plus adapté, en fait, à ce genre de contexte où la maintenance est vraiment un vrai problème ensuite. Sur les bâtiments, il y a des très longues fenêtres qui contiennent des louves qui permettent d'avoir une ventilation traversante. Donc ce sont des bâtiments qui sont étroits, ce sont des bâtiments qui ont environ 3 mètres d'épaisseur à la hauteur des chambres, puis un peu plus où il y a les salles de bain. Et donc par la différence de température, la différence de pression, ça entretient un courant d'air à travers la chambre permanent. Et donc on a fait des mesures de ventilation avant la fin du chantier pour s'assurer que les prévisions, enfin les résultats correspondaient à nos prévisions. L'OMS recommande 12 changements d'air par heure. Les mesures qu'on a faites, c'était entre 19 et 46 par heure. Donc en fait, en utilisant uniquement le vent, le soleil, on arrive à des renouvellements d'air plus importants qu'avec la ventilation mécanique qui est très chère, très coûteuse, difficile à maintenir. Voilà, donc c'est le système de Louvre avec donc, moitié. Les fenêtres sont conçues sur le même principe, moitié pour la lumière et moitié pour la ventilation. Donc une partie pour la lumière, une partie pour l'air. Donc en ouvrant les fenêtres, on a cette ventilation traversante qu'on sent assez fortement. Et donc si on la mesure, donc ça c'est un vanéomètre. Voilà, en plaçant ici. Alors, ce qu'on voit en ce moment, il y a vraiment un fort courant d'air. On a plus d'un mètre par seconde d'air qui passe. Et ce qu'on voit aussi, c'est caractéristique de la ventilation naturelle, c'est que ça bouge, c'est pas régulier. On est sur une colline, c'est une situation élevée, il y a toujours un peu de vent. Et puis par ailleurs, les bâtiments sont toujours orientés soit est-ouest, soit nord-sud. Donc il y a le soleil d'un côté, l'ombre de l'autre. La différence de température accroît le changement d'air. C'est certain que les patients, il n'y a qu'un seul patient par chambre. Donc on évite déjà la contamination croisée. Par contre, pour le personnel, c'est très important parce que les infirmiers, les médecins vont rentrer dans les chambres et donc il ne faut pas qu'ils soient contaminés. Donc c'est pour cette raison qu'on a ce renouvellement d'air important qui permet d'évacuer en fait toutes les gouttelettes qui propage la tuberculose.